À vous deux là. Et madame blanche. Moi je suis marié, ma femme est blanche. Il paraît que tu as abandonné ta femme et la mère de ton enfant, ils vont parler de tes maris en France. Pourquoi tu fais ça? Mais attends, dans la vie là, c'est-à-dire, je pense que tous ceux qui sont mariés aujourd'hui là, ils ont été avec quelqu'un avant de se marier. Donne un exemple. Ah, mais tout, ça dit que si quelqu'un veut expliquer comment il a laissé son ex avant de se marier, on ne va pas quitter ici. Maintenant, tu peux venir dire oui, on s'est laissé, mais celui qui va écouter va t'abandonner. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Okay. Voilà. Moi, mais toi, tu dis quoi? Moi, je dis, tout s'est fait comme ça devait se passer, tranquillement. Et puis là, en fait, c'est ma vie privée, en fait. Tu vois, c'est ma vie privée, mais il permet qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un artiste, personne publique. Un artiste, c'est ça un chauffe pas. Public, ouais. Voilà, ça ne chauffe pas. Mais ce qu'il dit aussi, il faut qu'on retienne. Parce que je n'ai pas abandonné quelqu'un. J'ai abandonné personne. Tu penses quoi, la problème? Il y a des gens qui ne parlent pas là, ils ne sont pas bien. Attends, faut parler. Laisse-moi répondre. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec, en fait. Tu n'es pas d'accord avec. En un mot, je ne suis pas d'accord avec. Voilà, pour ne pas trop expliquer dans les détails. En un mot, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Voilà. Bon, si tu n'es pas trop à l'aise avec ça, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir deux, trois goûts? Non, moi, je ne fais pas ça, toi aussi. Toi, tu n'as jamais eu deux goûts en même temps, trois goûts en même temps? Je ne fais que ça. Et ça va pour foirer. Mais regarde ta caméra, regarde ma caméra. On n'a qu'à laisser caméra, on n'a qu'à laisser télévision. On s'amuse. Mais comment on a la télé? Tu veux dire, dans une narine ici, t'as dit, on a qu'à laisser ça. Mais toi, t'as fait de où tu as sauté là? Qui t'est poursuivi? Tu sais, je pense qu'il y a une période quand on a sorti la chanson Gagnois, où tout le monde nous racontait. À cette période aussi, on a beaucoup souffert. Si. Voilà, j'ai raconté, j'ai vu même une vidéo d'une dame qui a décortiqué notre chanson. Elle a dit, elle prend mot par mot. Et puis elle donne les interprétations à ce que nous on a chanté. Puis on est assis, on regarde et puis on est choqué. Donc on était dans cette période-là. Et puis, il y a une dame qui vient à moi, voilà, une mémé qu'on appelle la cousine dans notre ancien quartier à Yopougon au nord. Voilà, c'est une mémé qui est très choquée dans le quartier. C'est elle qui m'appelle. Si vous êtes là, je m'appelle. Allô mon fils, tu es où? Il dit non, elle vient ici à la maison. Elle dit, ah, mais ça va? Il dit oui, ça va. Ça va. Il dit, mais tu n'as rien? Il dit oui, il n'y a rien. Il dit, mais tu as sauté, tu n'as rien? Il dit, il a sauté comment? Il m'a dit, tu as sauté de l'humain pour tomber par terre. Oui. Que les gens sont venus avec fusil, tout ça. Oui, on dit, ils sont venus derrière vous, tu cherchais un fusil. Il dit, aïe. Moi, ici à la maison, ici, on a rentré, mais Gaba. Alors, donc, tu trouves que vivre en France, c'est un cimetière pour les artistes? Les faits sont là. D'accord. Les faits confirment ça. Oui. Voilà, il n'y a pas d'artiste qui vit en France, permanemment, et puis va être en Côte d'Ivoire, pour dire qu'il va être actif aussi. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais dis-moi, moi j'ai un truc aussi que je n'ai pas compris. On t'a vu récemment dans une vidéo en train de clasher tes aînés, comme les Vino l'ambassadeur, Roga Forlan et tout ça, en utilisant même des mots très forts. Qu'est-ce que tu reproches réellement à ces personnes-là? Est-ce que dire c'est un jeu? Bon, ça c'est ce que un VD a dit, mais ça n'avait pas dit que ce n'est pas un jeu. C'est une injure. C'est une injure. Ah d'accord, ok. Pour ce que tu viens de dire, par exemple, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si on m'a vu dans des vidéos en train de répondre, c'est parce que c'en était de trop. Okay. Voilà. On ne peut pas prendre son temps, salir quelqu'un, quelqu'un qui t'a rien fait. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, on ne m'a pas encore montré quelque chose que j'ai fait à ces gens qui ont parlé mal de nous, qui nous ont dénigrés. Mais Dieu merci, on est passé au-dessus de ça. C'est pour ça que je dis, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Okay. Voilà. Maintenant que tout est donc passé là. Donc tu penses que vous avez été victime d'une campagne de boycotting? Mais c'est clair que tout le monde a vu ça. C'est pas nous qui avons inventé ça. Ils sont mis dans une logique de vous boycotter en fait. Mais c'est pas moi qui leur ai dit de faire ça. Mais c'est ce que tu fais là. C'est ça on juge. Ok, donc vous avez vu les résultats de leurs actions. Voilà. Donc aujourd'hui quand on sort des œuvres aussi, on est passé à autre chose. D'accord. Essayez de nous soutenir. Vous ne soutenez pas. Ça veut dire que votre but c'était de nous voir partir. C'est pas où. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est nos œuvres qu'on va sortir, qu'on sort et pour se positionner, pour faire plaisir à nos fans. C'est tout ce qui nous intéresse. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal+ Afrique.